moi j'étais un jeune de l'Omja qui squattait un peu la maison de jeunes, tu vois. Et bah, du coup, je connaissais très très bien l'animateur multimédia, enfin l'animateur vidéo, qui s'appelait Hakim Zouani à l'époque. Et du coup, lui, comme je le connaissais assez bien, et ben, du coup, il m'a dit, bah écoute, pourquoi tu proposerais pas quelque chose? Et j'ai proposé, moi, un scénario. Donc moi, à l'époque, c'était, je surfais un peu sur la vague, entre guillemets, d'interdiction de rassemblement dans les halls d'immeubles. Donc du coup, en fait, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Mon Hall. En fait, moi, j'avais fait un court-métrage en bas de chez moi avec des mecs qui savaient même pas de quoi on allait parler. Donc ça, c'était cool aussi. C'était vraiment freestyle. Je me rappelle, je me souviens être descendu en bas de chez moi en disant « Bon, les gars, il y a un... je vais poser une caméra et puis vous allez faire ce que je vais vous dire. » Et puis finalement, c'est comme ça qu'on a fait le court-métrage Mon Hall, qui a changé, en fait. Il a évolué au fil des heures de tournage ou des minutes de tournage. Donc c'était freestyle total. Donc grosse dédicace à Hakim Zouani. Est-ce que c'est une anecdote? Moi je me souviens, c'est plus un souvenir. Le souvenir de Génération Court, la première édition, que plus personne, écoutez-moi bien, ne reverra, je pense. C'était écran gonflable au stade André Carman. Donc c'était un super méga putain d'événement. Et du coup, je me souviens, c'était marquant, quoi. Assis dans les tribunes, les tribunes blindées, il y avait un concert sur le parking où il y a la piscine. Et je me souviens, c'était un moment, on va dire, vraiment sympa, tu vois, autour des films et tout, etc. Et c'était cool parce qu'en fait, du coup, ça a permis aussi de faire connaître les films. Parce que l'intérêt quand tu fais un court-métrage, c'est vraiment que les films soient vus, tu vois. Sinon, c'est pas la peine, hein, tu vois. Tu peux faire des films dans ta chambre pour what, tu vois. Mais du coup, ouais, non, j'ai bien kiffé, moi. Puis j'espère pour les jeunes, et si j'avais un message à passer aux jeunes, ce serait d'en gros de profiter de tout, d'essayer d'apprendre et de s'ouvrir un maximum. Gabi, bravo encore, merci encore du succès, merci de ce que tu m'as donné. Ça fait plaisir. Et gros big up à Hakim Zouani.